Le fait d'avoir Mohamed Minta ici au Havre, on est vachement privilégié, et ça grâce à le savoir, on peut profiter de sa connaissance et de son savoir et de se rassembler avec les frères et sœurs ici. Donc je trouve que c'est vraiment un privilège et une chance pour nous d'être ici. Salam alaikum. Pour ma part, je suis venue à ce séminaire parce que la vie éternelle, c'est un sujet qui, à mon sens, nous touche tous. Et pour lequel on a souvent beaucoup d'interrogations. Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce séminaire aujourd'hui, c'était sur le voyage éternel, c'est-à-dire la vie éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés dans cette vie pour nous mettre à l'épreuve. Nous sommes des voyageurs vers vie et éternelle. Et cette vie éternelle, ça devrait se préparer. Quand vous regardez, il y a beaucoup de gens qui se soucient de leur avenir dans cette vie, qui se préoccupent, qui disent « il faut que j'assure mon avenir, l'avenir de mes enfants ». Mais très souvent, les gens ils pensent à leur avenir proche, leur avenir éphémère et qui est court, tout temps en oubliant l'avenir éternel qui nous attend, qui nécessite une préparation, qui nécessite un éveil de conscience. Donc aujourd'hui c'était pour parler de cet avenir qui nous attend et comment il faut s'y préparer et qu'est-ce qui nous attend. Barakallahu fikoum.